Eh bien salut les amis, c'est Carmono, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5ème épisode de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Merci à tous d'être là, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter, de partager, de vous abonner. Et j'étais rapide mais pas trop rapide, genre vous avez compris ce que j'ai dit, j'ai bien articulé. Dans tous les cas j'avais trop hâte de continuer, donc bah voilà, bref, let's go, direct maintenant tout de suite. Bon, alors, fallait qu'on aille là. Ok, il y a encore du miasme rouge ici. Je sais pas si c'est une très bonne idée maintenant, mais je dois bien aller là. Ah, si. Mais quand j'ai fait, en plus, j'ai pas le paravoile, donc... Attendez, il y a de l'eau. Mais je dois aller où exact? Ouais, parce que ça s'ouvre pas, bien entendu. Grimper? Sûrement. Oh, il y a quelqu'un juste ici. Bonjour. Et c'était sûr. Qui va là? Mais c'est moi! C'est moi. Je suis Link. Tout le monde ici est sur le qui-vive. On ne pense qu'à retrouver la princesse Zelda et Maître Link. Alors, si tu crois que tout le monde se promenait, c'est que t'as pas les yeux en face des trous. Maître Link, c'est bien vous. Veuillez me pardonner ma grossièreté. J'ignorais que vous étiez de retour. Il a quand même parlé longtemps avant de se rendre compte que c'était moi. Mais alors, l'équipe de recherche ne sert plus à rien, si? Enfin, il va falloir voir ça avec le capitaine Oz qui dirige les opérations depuis la tourelle des 3e quartiers. Suivez cette route et vous finirez bien par le trouver. Comment ça, ça sert plus à rien? Ils ont toujours pas trouvé Zelda, hein. Genre, c'est peut-être important aussi, non? Est-ce qu'ils vont faire un Hyrule Warriors, l'ère du fléau 2? Avec genre... la suite là. Enfin genre qui se passe ici dans ce jeu. Mais où tu vas? C'est fou ce qu'il ressemble à notre Link. Mais non, c'est impossible. Pourquoi ce serait impossible? Personne n'aura de passer. Hein? Allez, ne reste pas là. Mais c'est moi. On cherche la princesse Zelda et Maître Link, c'est pas le moment de faire entrer le tout venant. Si tu veux vraiment passer, va voir le capitaine Oz, c'est lui qui donne les ordres. Il devrait être à la tourelle des 3e quartiers, plan sur cette route. Oh, c'est bon, genre, tout le monde me reconnaît, sauf le gars qui empêche de passer très bien. J'aimerais bien voir ce que c'est. J'ai peur que je pourrais pas remonter. Attendez, est-ce que c'est quelque chose que je peux saisir en plus? Ouais, bref, je pourrais pas remonter correctement, alors laisse tomber. Par contre, je croyais que ce miasme, c'était toxique pour les gens. Et genre, il y en a juste à côté, et les gens, enfin, ils ont pas de problème. Genre ça rendait pas malade ou je sais pas quoi. Bon bref, en tous les cas on arrive bientôt. Bah alors il est où leur chef là? 3e quartier. Et manifestement pas là. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que je ferais d'une louche? Ouais ouais non. Laisse tomber. C'est toi? Ici aussi les armes ont l'air corrodées. J'en viens à me demander s'il reste encore des armes intactes ou quoi que ce soit. Corrodées? Tiens, tu es nouveau ici. Au moment du cataclysme, les armes se sont subitement corrodées. Épée, lance, espadon, tout y est passé. J'ai parcouru diverses régions pour voir si certaines d'entre elles avaient été épargnées. Mais jusqu'ici, c'est peine perdue. J'en conclus que toutes les armes dans le monde sont fichues. Tenter de réparer les armes s'annonce très compliqué. On risque de devoir se contenter de les renforcer. Oui, mais je m'en fous, c'est pas toi que je veux. Bon, bref, et là. Vas-y. Ah non, c'est pas comme ça. Voilà, avec ça. Wow! Ouais mais non, enfin genre c'est bien mais en fait ce que je voulais c'était casser les trucs. Pour avoir une flèche en bois. Oh, une pomme grillée! J'en avais encore jamais eu. C'est vrai que vos armes elles ont pas l'air d'être dans un bon état hein. Qu'est-ce que je peux jeter? Ça a l'air nul, vas-y. Allez, jette ça là. Et ça c'est une arme de combien? Bon j'en sais rien. Mais il est où le gars? Faut que je monte? Il y a des gens, j'espère c'est eux quand même. Bonjour, mais remuez-vous. Ça a pas l'air d'être eux. Ah si, désolé, mais je suis occupé, là. C'est moi, Link. Mais, Maître Link, c'est bien vous, ça ne fait aucun doute. Je suis si soulagé de vous voir sain et sauf. Et la princesse Zelda est forcément avec vous. Alors, bref, ne parlons pas du sujet qui fâche. Ah, vous ne pouvez pas savoir le sang d'angle que je me suis fait. Je suis, mais alors, tellement soulagé. Bah, attends 2 secondes. une minute, vous n'êtes pas revenu avec la princesse Zelda? Vous avez entendu la voix de Zelda et vous voulez vous joindre à nous pour la chercher? Si je peux me permettre, la situation est de plus en plus déroutante. Mais soit, nous continuons donc à chercher la princesse, n'est-ce pas? Avec vous dans l'équipe de recherche, Maître Link, on ne peut que réussir. Pour tout vous avouer, nous n'avons pas beaucoup progressé à cause de tous les miasmes qui sont dans le coin. Ça, Captain Oz, regardez, la princesse Zelda. What? Où ça? Hein? C'est bizarre. Princesse Zelda, vous êtes bien vivante! Comment ils font déjà pour voir aussi loin? C'est bizarre, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire par tout ça? Elle s'envole là-haut? Que... Hein? Ah non mais encore plus haut que ça? Mais elle va où? Vous l'avez vu vous aussi, Maître Link, n'est-ce pas? La princesse Zelda, elle s'est mise à briller, s'est envolée! Ouais, c'est incompréhensible. En tout cas, il y a urgence! Pourquoi a-t-elle disparu ainsi sans même nous répondre? Dame Prouha doit être informée de cet événement au plus vite. Vu la situation, nous allons nous replier nous aussi. Mais nous sommes nombreux et cela va prendre un peu de temps. Pourriez-vous d'ores et déjà aller voir Dame Prouha et l'informer que nous avons vu la princesse? Wep. Maintenant, ça voudrait dire que je pourrais même pas me re-téléporter ici. Ça, c'est où la map?
Mais je peux pas me téléporter là en plus? Et mais c'est mal fichu ce début du jeu. Alors, madame. Link, te revoilà. Alors, t'as du nouveau? Ouais, je te raconte tout. Mais pourquoi ils ont voulu se replier immédiatement, je comprends pas. Oh, la princesse Zelda s'est mise à briller, s'est envolée! Tes histoires sont toujours aussi abracadabrantes. Mais si tu dis que c'est passé ainsi, à part te croire, je vois pas trop quoi faire d'autre. Bah, t'avais qu'à y aller sinon. En tout cas, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on va devoir la chercher autrement. Si elle s'est envolée, on ferait mieux d'enquêter sur ce cataclysme et ses répercussions qui ont lieu un peu partout. Ils ont pas déjà commencé à faire ça. En plus, il y a 2-3 endroits sur lesquels je me pose des questions, tu vois. Et en enquêtant, on finira bien par trouver une piste sur la princesse Zelda. Enfin bref, t'as bien la tablette pro. Ah non, t'aurais moyen de me la montrer? Vas-y. Moi, l'appareil photo. Bon, elle a l'air un peu usée. Mais elle marche. Alors, où est la carte? Ah. Oups. Je pensais qu'avec les tablettes Pua, j'aurais accès à une carte détaillée d'Hyrule. Mais pas du tout! Les tours de reconnaissance permettent d'enregistrer les données cartographiques ne sont pas encore prêtes. Aïe. Josha, où on en est où avec la tour de reconnaissance? Voyons voir. Et c'est le truc où je voulais aller, justement. L'extérieur est terminé. Ok. Et donc? Mais pas la peine de me la montrer entièrement! Comment je vais faire pour la gravir d'ailleurs? Elle a une forme étrange. Je sais pas, il y a un ascenseur. Imaginez, ils ont oublié de mettre un ascenseur. Ah oui! Le téléporteur a encore besoin de quelques ultimes réglages! Le téléporteur? C'est que je l'avais oublié celui-là. Maintenant que j'y pense, je ferais peut-être bien de m'en occuper. Désolé Link, je m'en occupe tout de suite, mais il va me falloir un peu de temps quand même. Toi, tu as quartier libre, enfin n'en fais pas trop, tu dois être rincé. Tu peux aller te reposer à l'abri de survie, c'est là qu'on a dressé notre camp. Il y a des lits de camp et une cuisine, c'est l'idéal pour piquer un roupillon ou casser la croûte. Si tu veux en savoir plus... Oui. Va donc te renseigner auprès du garde posté à côté de l'abri de survie, là-bas au centre du fort. Et si t'as besoin d'une tenue... J'ai pas d'argent. Tu peux t'adresser à la boutique d'Orias. Mais je suis un héros, vous pouvez pas me le faire gratuit. Moi, je serai à la tour de reconnaissance. Alors, dès que t'es prêt à décoller, dis-le-moi. Je vais être prêt. Allez, Josha, va bien falloir qu'on l'active, cette tour de reconnaissance. Bibi s'occupe du téléporteur. Et toi, mon petit Josha, tu fais son affaire à l'interrupteur. D'accord, professeur Pou. Ah, je vais faire de mon mieux. Non, tu dois pas faire de ton mieux, tu dois faire parfaitement. Et donc maintenant, ben, je vais voir la boutique. Alors. 70, c'est pas très cher, mais je suis très pauvre. 130... Et 120, mais j'ai 6 rubis. Attendez, y a pas des trucs que je peux te vendre? J'ai pas de trucs qui se vendent très cher, hein. Ah, 110 rubis quand même, le rubis brut. Vas-y, je sais même plus ce qu'on fait avec les rubis. Et les émeraudes et tout, à part les vendre. Bon, alors, je peux acheter quand même cette capuche. Vas-y. Comme ça, j'aurai un peu plus de défense. Ouais, très bien, très bien. Et donc, tunique, je pourrais pas tout acheter. Je pourrais quand même acheter, bah genre ça a plus de défense, donc vas-y, ça c'est le truc le plus rentable. Très bien, merci. Imaginez si dans le jeu les tenues aussi, elles finissaient par casser comme dans Minecraft l'horreur. Et voilà, je suis prêt à y aller, bon, je suis pas très beau mais ça va. Alors, Poua, alors ce truc va ici, non, là plutôt. Et bah voilà, qui c'est qu'a fini, c'est Bibi. Ah, Link, tes préparatifs sont-ils terminés? Je viens justement de boucler les derniers ajustements. Les téléporteurs devraient fonctionner maintenant. Ok. Pourquoi tu me montres ça? Josha, tout est prêt ici, enclenche l'interrupteur s'il te plaît. Hey. Vas-y, enclenche ça. Ça a l'air d'être un peu balèze pour une petite fille. Professeur Pou, ah, les autres tours de reconnaissance ont aussi l'air de fonctionner! Bah écoutez, c'est parfait tout ça. J'aime trop l'esthétique de leur technologie dans Breath of the Wild et celui-là. Link, c'est à toi de jouer maintenant! Je dois aller à chaque tour, c'est ça, j'imagine. Est-ce que tu peux tenir la tablette Proa au-dessus du terminal qui est juste là? Allons-y. Mets ça là. Ah, ils ont changé aussi la technologie, maintenant c'est devenu du sans contact! En plus, c'est vrai. Ils ont fait un bond dans le futur là. Qu'est-ce qui se passe quand j'active celle-là? Elle devient magique. Mais elle était déjà magique. Ça va tirer un feu d'artifice? Bien. Et voilà, cette tour de reconnaissance a été enregistrée dans la tablette Proa.
Et donc? En gros, tu devrais pouvoir te servir du téléporteur. C'est un dispositif qui te permet de rejoindre à tout moment une tour de reconnaissance que tu as enregistrée. Voilà, faut que je les redécouvre. Alors, avoue que ça t'embouche à un coin? Bah pas du tout, je m'y attendais. Mais attends mon petit coco, parce que t'es loin d'avoir tout vu! Ouais, les tours de reconnaissance à la base c'est fait pour cartographier, pour faire des cartes quoi, Fur. Elles permettent de faire un relevé topographique de la région où elles sont plantées. Les données collectées sont envoyées automatiquement vers la tablette Prua et viennent compléter ta carte. Avoue que c'est génial! Un simple repérage et paf! T'as toutes les données dans la tablette. Enfin, pour le faire sans risque, il faut être un champion de la paravoile. La paravoile? Le paravoile, apprends à parler, ma meuf. Et toi, avec la paravoile, t'es justement imbattable. C'est pour ça qu'on t'a attendu pour tester le système. J'ai pas de paravoile. En bref, tu vas avoir besoin de ça. Dieu soit putain de loué! Ah, merci! Je t'ai épaté avec mes explications. À toi de m'épater avec une puissante démonstration! Tu vas faire un repérage d'essai. Tu veux bien essayer le système d'éjecte. Je veux dire le point de lancement qui est juste là. Ouais? De mon côté, je t'observerai tranquillement depuis le laboratoire. Hein? Quand tu auras fini le repérage, on repassera aux recherches de la princesse Zelda. Il faudra d'abord que tu enregistres sur la carte les endroits touchés par ces étranges phénomènes. Mais une chose après l'autre. Commence par revenir en un seul morceau, d'accord? Très bien. Donc en fait, je dois aller là. Et je vais être éjecté. Oula, oula! Mais c'est des méchants trucs de gardien! Oula! Vous êtes obligé de passer par là? Et ils vont me démembrer. Hein? Ah, ils croyaient que j'étais un méchant! Mais non, c'est moi, Link! Personne ne me reconnaît, j'ai bien compris, mais bon. Et bah voilà, on a découvert notre première zone. Carte du ciel mise à jour. Wesh. Ok, donc maintenant je peux sortir mon paravoile. Mais j'ai un gros caillou derrière moi, ça va me faire tomber un peu trop vite tout ça. Je peux ouvrir la carte? Je peux pas jouer. Ah, alors. Carte. Ok, ça met du temps à charger. Hein. Très bien, mais en fait, genre... comment ça, générateur? Ouais, très bien, mais... Ça voudrait dire que je pourrais aller là? Et genre après m'envoyer en l'air avec un paravoile. Mais pourquoi ça me... Bon, j'imagine que ce qu'ils veulent, c'est que je retourne là-bas. Allez, descends. Attendez, mais je pourrais déjà aller au château, en fait. Je vais pas le faire, mais... Donc là, à partir de là, si j'étais vraiment bon, ce que je ne suis pas, je pourrais terminer le jeu. Par ici! Bon retour sur Terre, tu nous as fait un saut prodigieux, en même temps, on n'en entendait pas moins de toi. Est-ce que t'as pu obtenir les données topographiques? Alors tout baigne, la carte va jouer un rôle majeur dans ton enquête, et ce, à compter de maintenant. Ah et sinon, chaque région du monde a une tour de reconnaissance, n'hésite pas à aller les voir. Maintenant, revenons à nos moutons. Il y a certes eu un cataclysme ici, mais ce n'est pas le seul endroit touché. Il y aurait eu des calamités un peu partout en Hyrule. Montre-moi ta carte, tu veux? Tu veux voir ma carte? ouais, et donc? Pour commencer, il y a la région d'Hebra au nord-ouest. Ensuite, celle d'Ordine au nord-est. N'oublions pas les contrées Gerudo au sud-ouest. Et pour terminer, la région de Lanel à l'est. Les endroits frappés par les calamités sont concentrés dans ces quatre régions. Je vois. Je peux rien te garantir, mais je sens qu'en allant sur le terrain pour enquêter sur ces calamités, on obtiendra des indices sur la princesse Zelda. Bien. Ah, mais voilà qui me fait penser à un bruit qui court, professeur Pouha. Apparemment, on aurait aperçu Dame Zelda au village Piaf, dans la région d'Hebra au nord-ouest. C'est trop bien les piafs, je vais y aller. Une rumeur, voyez-vous ça? Normalement, je prête juste zéro attention au cancan, et j'encourage même à les tuer dans l'œuf! C'est violent. Sauf que là, on se retrouve peut-être bien face à un indice d'une importance capitale. C'est quoi la capitale d'Hyrule d'ailleurs? Revenons à toi, Link. On est en train de demander au journal de nous assister dans les recherches de la princesse Zelda. Pourquoi? Eh bah tout simplement pour faire! Non, parce que tu trouveras personne de plus calé sur les affaires du royaume. L'agence de presse est juste devant le village Piaf, alors tu devrais passer par là. À ta place, j'en profiterai pour aller voir la rédactrice en chef, elle devrait pouvoir t'aider. Je vais poursuivre mon enquête sur les abîmes et sur les vestiges tombés du ciel suite au cataclysme. Et je vais tâcher de vérifier s'il n'y a pas des indices concernant la princesse dans les hameaux et autres lieux de passage. Donc, pour ce qui est de l'enquête sur les calamités, je compte sur toi, Link, ok? Si on s'y met ensemble, je suis sûr qu'on finira par la retrouver, notre princesse, mais toi tu fais rien. C'est plutôt si je m'y mets tout seul en fait. Mais comment je fais pour. Attends-moi, attends! Désolé, j'ai pas le temps de discuter. Non, 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 mais moi je veux l'appareil photo là.
Bon, apparemment, personne ne veut me donner l'appareil photo, génial. Bon, eh bien, les amis, dans tout ça, nous, on va commencer par aller par le village Zora. Parce que c'est là qu'ils nous demandent. C'est vrai que ça a l'air cool. C'est long, hein, ce chargement. D'ailleurs, je pourrais aller sur les petites îles. Elles m'ont l'air trop loin pour l'instant. Genre, faudrait que je trouve un autre accès. Donc, nous, on va par là-bas. Ouais, exactement. Wouah. C'est trop stylé. Alors après, n'oublions pas que je n'ai pas beaucoup d'endurance. Donc, en fait, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. C'est quoi ces symboles sur la map? On dirait un peu Raoru, celui qui était là-bas. Après, on le verra moins quand on sera au-dessus, mais... Vas-y... Wouhou! Par contre, je devais trouver un pont. Il va être où? Attendez, attendez. Pour la gazette, là. Le pont pour aller au village Zora. Pas Zora Piaf. Attendez, mais donc c'est où? Parce que là, il y a un pion. Parce que je dois aller à la gazette, là. Ben, j'imagine qu'il faut que je continue par là, hein. Très bien, bon, c'est reparti pour l'exploration. Yes, j'aime trop. Oh, oh, là-bas, vous voyez ce que je vois? Ah, je me suis trompé le bouton. Bon, d'accord, ok. Vous voyez pas ce que je vois. Hé, je peux attaquer par derrière. Vas-y, mais c'est celui qui balance des trucs de feu, là. On s'en fout. Il me voit pas, il me voit pas. Comment on fait pour les avoir, genre... Ah, yes. T'étais trop nul, mon gars. Je croyais qu'il fallait l'apprendre, le fait de surprendre, mais non, je l'ai déjà. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'est l'une des tours que je dois activer. Et en vrai, et ça fait trop plaisir. J'ai vraiment l'impression de revenir sur mes débuts sur Breath of the Wild. Ah, oh, mais oui, mais les petits sanctuaires et tout partout. Oh là là là, je suis trop excité. Bon, par contre, j'ai toujours pas construit de véhicule, mais bon, bref. Il pourrait pas m'apprendre, le gars qui est là? Ah, toi, tu es le type de la dernière fois. Comme tu peux le voir, j'essaie d'installer gros aïeux ici aussi. Enfin, je veux dire, un panneau à son effigie. Qu'il pleuve ou qu'il vente, je le tiens sans faiblir pour qu'il reste bien droit. Le problème, c'est que tant que je tiens ce panneau, je ne peux pas aller installer les autres. Que faire? Mais je vais te laisser. Il sert à rien, ce gars, c'est même pas une quête, genre on s'en fout en fait. Bon, moi je suis désolé, je sais que vous allez vous plaindre dans les commentaires parce que je vais pas trop foncer à mes objectifs, mais je vais pas non plus passer trop de temps à faire les trucs annexes. Même si à la fin j'aimerais, bon, finir le jeu à 100%, peut-être pas, les Kurugu ça me saoule, mais faire un maximum de trucs sur le jeu. Mais ouais, donc là, bah genre je vais aller au sanctuaire que je vois quoi. Après, je vais pas chercher tous les sanctuaires pour l'instant, mais tout de même. Sauf que là en fait ça sert à rien, genre il pleut. Et ça me saoule ça. Bon, j'y arrive quand même. Il y a des moyens que je pouvais me rattraper. Yes! C'est bon, on y est. Rala, mais quel plaisir de redécouvrir les sanctuaires petit à petit. C'est quoi ça? C'est un nid? Je sais pas, c'est pas très rassurant. Puissance éolienne, sanctuaire Ixoda Kun. Je sais pas prononcer ce truc. Ah! Attendez, mais pourquoi? Attendez, je sais pas. Est-ce que je peux m'envoler, genre quand il y a un truc comme ça? Genre... Alors, sûrement pas comme ça, en fait. Oh! Attendez, non, non, non. Ouais, mais non, 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 non. Récupère-le. Eh, mais je vais me tromper de sens systématiquement. Genre, c'est pas possible. Vas-y. Eh, mais je pense que je peux m'envoler, ouais. Ah, ouais! Ouais, ouais. Un peu mieux, quand même. D'accord, j'ai compris ce qu'on nous demande de faire. J'ai pas compris ce qu'on nous demande de faire. Je pense que c'est ça, hein. Ok. En fait, là, j'ai juste pas compris la difficulté. Ça, c'est quand même relativement simple. Et oui, le coffre. Là, il y a un coffre. Je peux le prendre. Je peux pas le décrocher. Parce que ça, si je fais ça, ça va pas marcher. Alors. Wow! Ah, t'excites pas comme ça. Je pense qu'il faut que je pose ça en vrai. Déjà, tu vas là. Ouais, mais non. Ah non! Ah, mais attendez, mais si! C'est pas exactement ce que je voulais. Mais en fait, genre, je comprends un truc. Vas-y. Ok. Soit pivoter. Et là. Let's go. Ouh. Eh, mais c'est grave stylé. J'aime tellement les nouveaux pouvoirs de ce jeu. En fait, au début, je me disais, quand notre truc de pouvoir, il se remplissait. Je me disais, ouais, c'est dommage, il va manquer plein de pouvoirs qu'il y avait dans le... Bon, mais toi bien, qu'il y avait dans le jeu précédent et tout, c'est un peu... Genre, parce que... Là, en fait, il manque juste l'appareil photo et un dernier truc, je pense. Et je me disais, ouais, il va manquer plein de pouvoirs et tout, c'est dommage. En fait, c'est pas dommage du tout, parce que les pouvoirs qu'on a dans ce jeu, ils sont grave cool et ils font oublier les précédents. Hein. Après, c'est bizarre qu'il n'y ait pas un truc pour arrêter le temps. Ouais, merci. Parce que, bah, en vrai, genre, ça aurait eu du sens, un truc pour arrêter le temps. Vu que... Arrête-toi. Vu que, bah, genre, en fait, on a déjà un truc de manipulation du temps qui fait revenir le temps en arrière. Donc avoir un truc de manipulation du temps, en fait, ça aurait pas été déconnant. Mais bon, il faut les choses à moitié. Comment je fais pour le taper, par contre? Aïe, d'accord, ok, très bien. Non mais... Comment je vais faire pour le taper correctement? Ouais, parce qu'il est en bas.
Et si je l'avais allumé à l'avance, ça aurait pas marché. Je pense que je peux faire un truc. Genre, décroche-toi. Décroche-toi ! Voilà. Ça m'a l'air d'être une idée un peu genre saugrenue. Mais en vrai, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Après, c'est la force de ce jeu. Genre, généralement, t'as toujours plein de moyens de faire ce que tu veux faire. Ok. Attendez, non. En fait, faut que j'allume les deux. Comme ça, il va pas monter. Très bien. Ça a aussi activé celui qui était en bas ? D'où, pourquoi, comment ? Et si je le décroche, celui en bas, il s'arrête ? Ah, mais attendez, je peux faire comme ça. Je peux pas vraiment faire comme ça. Mais quoi ? Pourquoi ? Ah, j'ai saisi ! Reviens ! Bah ouais, bah oui, mais il en fallait deux, mais maintenant c'est trop loin. Mais comment je fais si c'est trop loin ? Je dois recommencer l'énigme ? Vous fichez de moi ? Je peux remonter le temps du truc. Vas-y. Ah ouais, mais j'ai trop tardé. Non, c'est bon ! Alors, je n'ai aucune idée de si c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais en tout cas, ça fonctionne ! Vas-y. Et mais je me sens trop intelligent. Enfin, après, je sais que je suis le plus intelligent qui existe sur YouTube, mais bon. Tout de même, je pensais pas à ce point. Et merci pour cette nouvelle lueur bienfaisante, j'en ai deux. Alors, il y avait un autre sanctuaire qu'on voyait, ouais, là-bas. En fait, j'ai l'impression que quand il faisait nuit, il fait nuit. Plus nuit, bah, genre, en fait, on les voyait mieux. Mais attendez, mais il y a un truc pour les... Attendez, c'est pas ça que je veux. D'où ça sort, ça? Ouais, c'est bien ce que j'ai fait, là. Oh bah attends, mais le truc il va à deux à l'heure. Bon, je m'en fous de toute façon, parce que là, le feu devrait lui faire des dégâts, je pense. Attends, mais je suis en train de tuer un arbre comme ça. Au calme. Un gland, d'accord, c'est moi le gland. Un gourdin solide. Mais non, mais j'ai l'impression d'avoir détruit un énorme ennemi. Et en fait, genre, on a que des trucs pourris dedans. Mais c'est quoi cet arbre? Un kologou? Eh bien non, je suis dégoûté. Ça me saoule, j'ai envie d'aller partout. Genre là, il y a une grotte. Je veux y aller quand même. Ok. Qu'est-ce que je fais ici maintenant? Mais il y a quelqu'un qui vivait ici? Hein? Je dois l'admettre, ce puits s'avère bien plus confortable que je ne l'avais imaginé. J'y suis à l'abri de la chaleur et du froid. Plus besoin d'ingrédients glagla ou pic-pic pour me protéger des températures extrêmes. J'ai caressé un temps l'idée de m'installer ici et de cultiver la terre, loin du tumulte, avant de finalement changer d'avis. Impossible de résister à l'appel des cavernes environnantes formées par le cataclysme. Quand je pense à toutes ces terres inexplorées qui regorgent d'ingrédients en tout genre, ma curiosité est trop forte. Rien n'arrête un gastronome en quête du chef du goût du bonheur. Chef Ratatam, chercheur de saveurs. Je sais pas qui c'est ce gars, mais j'en ai rien à faire. Bon, pourquoi ça se casse pas, là? Vas-y, une meilleure arme, là. Comme ça. Mais non, mais pourquoi il y a que des flèches dans ce truc? En tout cas, il m'a laissé des citrouilles. Citrouilles armo. Mais ça donne rien. N'oublions jamais comment on sort d'ici. Parce que je pense que quand t'as pas joué depuis longtemps au jeu, tu peux peut-être oublier ce genre de délire. Ouais. D'accord. En vrai, je peux le contourner, hein. Mais ce serait quand même stylé de le battre. Allez, allez, on n'est pas si nul. J'ai quand même un petit peu peur. Et il me laisse un butin. Ouais, bon, j'ai vu mieux quand même comme butin. Est-ce que je peux l'escalader sans le réveiller? Vas-y. Non, mais debout. Non, debout. Je peux surtout le réveiller, en fait. Wow, allez, on va pouvoir le battre. Enfin, je sais pas combien de dégâts il me fait, mais... J'aurais peut-être dû renforcer mon autre arme. Ok. Ouais, en fait, le problème, c'est que je vais... Oh, wow, je vais détruire toutes mes épées en essayant de le battre. Ça, le souci. Enfin, toutes mes armes. Je lui plante dans les fesses. Je sais plus comment on fait pour... Alors pas comme ça, d'accord, ok. Vas-y, mange toutes les pommes. J'ai pas réagi, j'aurais dû manger d'autres pommes. Bon bref, alors. Laisse-moi tranquille. Et en plus il a des armes autour du cou, vas-y. Ah, faut viser mieux. Faut viser mieux. Attendez. Wow. Je l'ai eu. Monsieur tombe. Et donc je fais comment là? Ah, je peux récupérer les armes qu'il a là. Ouais, bon on va pas dire que ce sont des armes incroyables. Bon par contre je vois rien, merci la caméra hein. Dégage. Ah non, 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 non. Je me trompe toujours de bouton et ça m'énerve ce jeu. Jamais je me ferai au bouton. Vas-y, mange tes... C'est tout ce que j'ai? Ça donne un peu plus.
Y a pas un truc qui donne... Ouais, vas-y, vas-y. Ok, alors. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Enfin, comme arc, vas-y. Après, j'ai énormément de... Oh, Orlando! J'ai énormément de flèches, donc c'est trop bien. Là, je pense que je vais réussir à le tuer. C'est un petit peu long. Je vais y arriver. Vas-y, dégage. Waouh! Waouh! Qu'est-ce qu'il fait, là? Il sort pas une pierre ou je sais pas quoi? Non? Il fait pas ça. T'es trop nul! Eh, mais en... T'es sérieux? Le gars, il se protège l'œil, là? C'est de la triche. En fait, ce serait mieux que je touche... J'imagine... Vas-y, son œil. Mais genre, c'est trop dur. Bon, ça fait beaucoup de dégâts, mais genre, c'est trop lent. Non! C'est pas possible, je vais pas mourir maintenant. Je l'ai bientôt battu, qu'est-ce que j'ai à bouffer? C'est tout? Non, vas-y. Mais en fait, je m'en donne vraiment pas beaucoup. Et mais je mange n'importe quoi. En même temps, j'ai besoin de vie. Aïe, aïe, aïe. Yes! Par contre, le gourdin n'est pas la solution. Le gourdin, il est... Non, le gourdin, il est beaucoup trop lent. Où sont mes armes? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai un plus 3, là? Vas-y. Oh, mince. J'ai pas réussi à l'avoir. Bon, bref, c'est pas grave. Mais par contre, il m'éloigne énormément de mon objectif, là. Yes! Vas-y, charge. Bon, d'accord. C'était pas assez... J'ai trop peur. J'espère juste pas tomber... Ok, pas tomber dans le vide à un moment. Enfin, dans le vide, genre dans l'eau ou je sais pas quoi. Là, je regarde même pas la map. Qu'est-ce qu'il fout? Ah, d'accord, il prend une arme. D'accord. Bon, pff, il l'a pas gardé longtemps. Vas-y, vas-y. Il est presque mort. Dégage, dégage. La prochaine fois que je le mets à terre, je devrais pouvoir le tuer, je pense. Yes! Mais je vise trop bien! Par contre, ça manque de pas détruire des gardiens. Attendez. Vas-y. Oui! J'ai battu mon premier Inok, let's go, je suis trop fort! Vas-y, tu me donnes quoi? Oh, 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 des bannes lames, d'accord. Mais attendez, mais en fait, j'ai dépensé corne d'Inox. Ouh, ça peut renforcer une arme de ouf, je pense. Mais très bien, sauf qu'en fait, genre, j'ai dépensé la moitié de mon inventaire d'armes pour, bah, pas grand-chose, finalement. En tout cas, tout ça, ça m'a... Genre, ça m'a fait perdre de vue. Oh, oh. Ça m'a fait perdre de vue le sanctuaire. Ah, j'avais déjà des lucioles, ok. Ça, ça donne des rubis quand on arrive bien à le toucher. Ah, mince. Ah, bah pas comme ça, en fait. Ok, d'accord, j'ai rien eu. Trouve-t-on vraiment des Élusis dans les grottes? C'est quoi un Élusis? Ouah! Faut pas faire peur aux gens comme ça, j'ai failli faire une crise cardiaque! Tu parlais tout seul, alors. Dis-moi, moi, serais-tu comme moi à la recherche d'Élusis? Bingo. J'en étais sûr, alors toi aussi on t'a demandé d'en trouver. D'après ce que je sais, les Élusis, ce sont des créatures qui vivent dans les grottes. Elles émettraient une lueur bleuâtre et se déplaceraient le long des parois. Tu imagines le truc? Ce sont de drôles d'oiseaux que j'ai croisés au relais de la forêt, de la région d'Ordine, au nord-ouest, ils m'en ont parlé. Ils cherchent une chose que l'on ne trouve que sur les Élusis et ils m'ont demandé de leur en apporter. Visiblement, je ne suis pas le seul sur le coup. Ils sont prêts à échanger ce qu'on trouve sur les Élusis contre de jolis trésors. Ça sent la bonne affaire. Mais il y a un hic. Je n'ai aucune idée des monstres que je peux croiser si j'entre dans une grotte. Tout de même, quand je pense à ces trésors, ah, que faire? Bah, je sais pas, moi j'en veux. Alors, il y a des puddings. Ça, j'aime un peu moins. En fait, il a bien fait de pas rentrer dans la grotte, le gars. Vous savez, mais ils sont où les Élusis? Bon, on va dire qu'on reviendra ici plus tard. Hein. Ouais, n'entre pas, mon gars. Hein. Le monde d'Hyrule a quand même bien changé. Hein. Et c'est pas un Korogu, d'accord. Mais ouais, ça a grave changé. Je reconnais pas du tout la map, c'est stylé. Moi, par contre, j'aimerais bien avoir des chevaux là. Genre, ça m'en donne envie. Mais je sais pas où ils sont. Oh, il y a un sanctuaire ici. Vas-y, go. Question de flottaison. Comment ça, flottaison? Pour l'instant, j'arrive pas trop... What? C'est beaucoup trop haut. Mais c'est de l'eau en hauteur. Comment... Attendez, quoi? Fur? Ça, je peux le déplacer? Mais à quoi ça sert? C'est quoi, ça? Mais... Oh! Reviens! Reviens. Je dois allumer ça? Ça n'a pas vraiment l'air de marcher. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, je n'en ai aucune idée. C'est bizarre tout ce qu'il y a là. Parce qu'il y a une torche et tout. Wow! Parce qu'en vrai, genre, là j'ai direct de quoi monter. Pourquoi j'aurais besoin d'autre chose? Ah, parce que je monte pas tout là-haut. Et là je peux pas. Il se passe quoi quand ça arrive tout là-haut? Bah, c'est bloqué. C'est tout? Je peux...
Je peux même pas la voir. Mais je comprends pas ce que je dois faire. En plus, je peux même pas aller dans ces trucs. Je pense que je peux les faire monter grâce à ça. Oh! Ok, ok, je crois que j'ai compris. Mais j'ai l'impression de jouer à Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Mais Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, c'était un jeu... Mais ça va être un peu compliqué en fait si j'en mets deux. C'est un jeu Banjo-Kazooie sur Xbox et tu construis des véhicules aussi et tout. Et mais en vrai, il y a trop un feeling. Ils ont copié. Par contre, il n'y a plus qu'une seule bougie. Ah, s'il n'y a qu'une bougie, c'est un petit peu un problème. Ça. Ah bah non, il y en a une là. Vas-y. Alors, prends... Et donc là, en fait, il va quand même y avoir un problème. Mais déjà, mets-toi à droite. Oui. Mais... Je... What? Le problème qu'il va y avoir, c'est que je vais en allumer un. Mais pas l'autre. Ah ouais. Comment je vais faire pour faire ça suffisamment vite? Je peux pas bloquer le temps? Bah non, j'ai rien pour bloquer le temps. Donc en fait, vas-y. Ok, saisis ça. Ok, alors déjà... non, non, non. Des... colle. Et donc... C'est bon! C'est bon les amis! J'ai construit ma montgolfière. Bon par contre, je suis pas sûr que ça puisse s'envoler aussi bien. Genre ils sont tout petits les ballons et tout. Mais bon on va dire ok. Ah mais par contre c'est loin d'être la fin. Attendez, genre y a une autre salle et tout. Qu'est-ce que je fais ici? Bah attendez, faut que je descende. What? Je dois en amener un là? C'est pas très difficile, mais est-ce que je vais pouvoir les récupérer? Je pense. Ça marche? Ça marche! Pourquoi? C'est une blague? Ok, bye. Je me demande ce que c'est que ce rond-là. Enfin, on voit rien avec la caméra. Mais genre, là, il y a un rond bizarre. Je comprends pas trop. Alors, toi, tu viens là. Bah ouais, mais non, mais faut que je récupère. Mais c'est trop loin! Donc, on fout ça là. Là on met... Mais des fois ça veut pas, enfin genre je comprends pas pourquoi des fois ça accroche pas. Bon bref, ok. C'est ça qu'il faut faire? Yes! Bon j'espère que c'est terminé, non? Oh non! Il y a encore une autre salle. Ouais d'accord. En fait il y a une sphère, il y a deux sphères à mettre. Ok elles sont en bas. Oula! Ça c'est un petit peu plus compliqué, non? Peut-être... Ok, peut-être pas comme ça. Non, mais en vrai. Vas-y. On colle ça là. Peut-être avec plusieurs. Mais tu veux pas coller? Mais... Colle! Ok. Peut-être qu'il faut en mettre plusieurs. Attendez, je sais pas, hein. Colle, non? Colle ou colle pas, en fait? Ça a pas l'air de faire grand-chose. Je pense qu'il va falloir utiliser deux ballons. D'ailleurs... Je pense que... Hey, décrochez-vous. Je pense que ça peut être pas mal si je colle d'avance les trucs là-dessus. Maintenant, toi, tu viens ici. Ouais, si t'arrives à descendre. Ah mince! Ah, c'est un petit problème, là. Oh, 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 vas-y. Non! Bah, en fait, j'ai pas résolu le problème, là. Bon, et si on essayait de faire que la petite? Ça va être mieux, hein. J'espère que ça suffit quand même. Parce qu'en vrai, c'est pas certain. Vas-y, je sais pas ce que j'ai fait tomber. Elle est où la petite boule? Hé! Ah non, ça va. Attends-moi! Mais. Ah, j'ai réussi à la prendre. Je sais pas trop comment, mais. Bon, ça va ouvrir le coffre optionnel. Ou la fin? Je ne vois rien! Bouge-toi! Wow! Oh, c'est la fin? Oh mon dieu! Merci. Pour terminer, j'aimerais quand même... Ah voilà, découvrir la map de cette zone. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de gros monolithes sortis du sol, là? C'est bizarre. Ça ressemble pas à ça dans la vraie vie, hein. Eh mais c'est encore grave loin! Mais c'est ouf, et on dirait Xenoblade, ce genre d'environnement. Enfin, ça me rappelle Xenoblade X, j'ai pas fait les autres. Et ouais, c'est grave stylé les panoramas et tout. Mais vraiment, mais c'est dingue, parce que j'avais peur que la map... Genre... C'est un cube dans le ciel? Ok. J'avais peur que la map au niveau du sol, genre, elle soit pas modifiée. Pas trop, et qu'ils aient juste rajouté plein de trucs dans le ciel. Et en fait, non, ils ont vraiment fait plein de modifications de ouf. C'est une blague, comment je fais pour aller là? Attendez, je vais me construire un petit pont. Mais c'est tellement cool, genre, c'est grave fluide. Je trouve ça vraiment incroyable. Hein. On dirait quand même vraiment Nuts and Bolts. Genre, Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, mais genre, en bien fait.
Moi j'aime bien Nuts and Bolts, mais genre. Enfin, c'est pas à cause de ça que j'aime pas le jeu. C'est à cause que ça ressemble pas à Banjo-Kazooie. Vas-y, allez, Link! Tu peux le faire! C'est quand même un peu abrupt. Mais c'est beau, il a assez d'endurance. Allez, Link! Allez, Link! On y est. Un tout petit effort. Sinon, il va tomber et se noyer. Let's go! Nous y voilà. Allez, découvre-nous cette nouvelle zone! Ah bah pareil, il va. Attendez, je suis obligé de m'envoler. Ah oui, je suis obligé de m'envoler. Sinon, je détecte pas les trucs. J'aimerais bien voir quand même si je peux aller à des endroits du ciel. Déjà, là, il y a une petite île, mais en fait, genre. Ça a l'air stylé, mais c'est où? C'est encore en hauteur? Oh! En fait, je sais pas. Il y a trop d'endroits où j'aimerais aller, mais. Genre, je sais pas trop où sont. Ça, c'est où? Vas-y, mets une balise. Ouais? C'est où? C'est ce truc-là? Eh ouais, on dirait. Parce que. Pour l'instant, j'ai quasiment pas exploré le ciel. Après, genre, c'est dur parce que j'ai pas d'endurance. Ah ouais, parce que là, le problème, c'est qu'en fait, je vais même pas pouvoir y aller. C'est trop loin. Ah non, je vais pouvoir! Ah ouais? Oh là là, oh là là, oh là là, j'y suis! Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je fais ici. Mais ça a l'air grave cool. J'en sais rien, c'est quoi ça? Genre, ça, c'est un truc qu'on peut activer? Je peux faire quoi avec? Ouais, let's go! Hein? Attendez, mais je savais qu'il y avait un plongeoir ici. Enfin, je savais pas, mais genre, ça l'a pas fait. D'accord. Île de l'épreuve du courage! Sérieux? Eh bien, les amis, c'est quelque chose qu'on verra dans le prochain épisode. Nous, on va en rester là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut, de commenter, de partager, de vous abonner. Et à demain pour la suite. Salut!